Thank you.
Thank you.
In English and in French, so we will see in the chat what's better. Donc on va essayer de jouer dans les deux langues. Et voilà. Et aujourd'hui, ce matin, je suis entouré par les invités les plus extraordinaires qui soient. On dit super. Concept. Yes. Super concept. Hello everybody. Jeannette, on n'a pas oublié ton café. Il est en cours d'arrivage. Alors pour ceux qui n'ont jamais joué à Concept et qui ne connaissent pas, on va faire un petit récapitulatif assez vite. C'est un jeu où, dans cette version-ci, on va essayer de vous faire deviner des mots ou expressions à trouver. Voilà, donc ici, on va jouer un peu tous ensemble. On vous fait deviner des choses, mettez vos réponses dans le chat, et qui sait, peut-être, allez-vous gagner pas mal de lots, Jean-Louis. Oh, bah alors, là,
on a des trucs, c'est fou, 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 parce qu'on n'est pas n'importe qui. Alors, on vous a amené, on a des jeux, on a des bonnets. Les bonnets, c'est bien parce que c'est tout doux. Et on a des t-shirts aussi. On n'a pas toutes les tailles, mais on a tous les gabarits. These are also, we will play together and we will try to, I will give you a clues and we will try to, you will try to find the word that the super concepts are singing. And we have a lot of gifts to offer you this morning. So enjoy and let's play, guys. Yeah. On est presque chaud là. Just an answer to Laurent. Laurent Darius, who says, qu'ils sont beaux de beau matin. Toi aussi, Laurent, tu es beau. On t'aime. Mais tu es tout le temps beau parce que t'es super. Ouais. Sur ce, c'est parti pour le premier mot. On y va. Est-ce que tu es prêt, super concept? Yes, I am. So, let's go. Ah, yeah. So, I'm going to speak in English and my friend super concept is going to speak in French. Oui, c'est ça. So, you are going to hear. Désolé, mais l'échauffement, c'est important. Est-ce que j'irai pas tous nous chercher des super cafés? Ah, and Janet says she doesn't speak French. Okay, that's okay. Yeah. Jean-Louis is coming back with coffees for you. We do speak English too. Okay. So, first word. Are you ready on the chat? I am ready. No, sorry. No, you are not on the chat. Ah, you are on the sofa. Pardon. Okay, so the word we have to make people find is this one. We begin with a hard one. Et moi, je vais essayer de vous aider à trouver le mot qu'ils vont vous faire deviner. Moi, je vais jouer avec le chat pour essayer de vous aider. Donc, en fonction des indices qu'ils vont mettre, on va essayer de faire ça. So, I will help you to find the word that they will try to faire deviner, try to guess. To guess. Yeah. To guess. Alors non, il a le costume vous l'envers, il n'a pas perdu un pari hier soir, non, non, c'est... Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Avec les super cafés. Et... Oh, ça peut y être une super boulette. Non, mais le costume vert, c'est parce que je suis en stage. Stagiaire, café. Oui, café. Allez-y, faites deviner les mots. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? C'est en cours. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un objet. No. Ah non, c'est le deuxième concept. Pardon, oui, parce que c'est grand bien. We are looking for a concept on television. Donc on cherche un concept qui a un rapport avec la télévision. Avec et une boîte à sous. Et en sous concept, on a une boîte... Not a box. Une boîte un à objet, sous. Un objet. Yeah. C'est une boîte à sous. Un objet avec plein de... Sous. Ouais, d'argent, effectivement. Qu'on appelle une boîte à sous. Alors, quand Jean-Louis parle, il se répète souvent, c'est normal. Il apprend. And Nikki asked, what kind of bets has the guy on the right lost? No one. He's on probation. C'est Jean-Louis. Yeah, and his name is Jean-Louis. Alors, qu'est-ce qui pourrait être un concept qui a un rapport avec le monde de la télé et où il y a pas mal d'argent? En gros, pour l'instant, c'est ça qu'on a comme indice. So, somebody says lottery, but... Mais c'est un objet, argent, donc quelque chose de très cher, quoi. Ouais, à mon avis, c'est quelque chose là, effectivement... Voilà, on nous dit aussi money, apprendre ou à laisser. Alors, apprendre ou à laisser, si c'est pour l'émission de télé, je pense qu'il n'aurait pas mis le premier concept sur concept pour ça. Il aurait mis ça peut-être sur la caméra ou quelque chose comme ça. So, for the English people, we have an answer, which is apprendre ou laisser, and it's a TV show. And so, as you can see, we removed the money because you were really wrong. Ah, okay. Donc ils ont changé le concept. Ah, mais surtout, vous ne la méritez pas. Vous êtes vraiment trop forts, les super. On nous a dit publicité, jeu télévisé. Alors, c'était quoi le sous-concept qu'ils ont mais changé? Il n'y a pas un concept de jeu qui aurait été plus facile pour jeu télévisé? Jeu à la télé? Ouais,
No, Nikki, it's not only in Belgium. We would love to keep it just for us and save the rest of the world from it. But no, it's everywhere. Object with love? I have an idea. It's not related box to TV. Box office. So. Bah, peut-être qu'on va... Il y a déjà pas mal de réponses, donc yeah. Peut-être qu'on peut... And actually, somebody found the right answer. So it's not le bachelor. Quelqu'un a trouvé la bonne réponse. Donc ce n'est pas le bachelor. Bon, attention. Advertising. Publicité, donc, était la bonne réponse en français. So not next, no. Because next, it's a people you like, not an object. Et disons-nous. Oh, bah alors ça, je pense que ce qu'on va gagner, c'est qu'est-ce qu'on va commencer par. Moi, j'aime beaucoup le bonnet. Je pense que le bonnet, c'est bien parce que c'est le matin et on n'est pas encore tout à fait réveillé. Il va très bien. Je vous mets celui-là. Si vous avez de la chance, vous aurez celui-là. Sinon, vous en aurez un neuf. voilà. Je vous montre parce que quand on a un physique comme le mien, c'est sûr que c'est tout de suite classe. Mais chez vous, ça sera bien aussi. J'en suis sûr. Tout de suite, ça l'habille bien. Oui. Regardez comme c'est. Et en plus, quand on a une cape faite avec des têtes d'oreiller, c'est carrément bien. Donc on a vraiment tout mis sur la technique. Alors Jean-Louis, je te rappelle qu'en tant que stagiaire, tu n'as pas le droit de dormir pendant que tu travailles. Donc veux-tu enlever ce truc ridicule de ta tête? Merci. Désolé, chef. Voilà. And now it's your turn to pick a. Alors. Allez le chat, on est prêt? On est chaud. Il va falloir que. On s'active, on a trouvé le premier, espérons qu'on passe aussi bien au deuxième. Are you ready for the second one? Oui! Super concept, let's go! Ah non, trop tard. And Pachikovic is asking if everybody except the intern has the right to take a nap. Yes, we do, but we don't want to, because we are super concepts. Je comprends pas l'anglais. Il y a aussi une question qu'il faut faire quoi pour bosser chez vous? Il faut... Faire un mari. C'est ça, oui, c'est si vous... On peut, je sais pas, j'ai pas de réponse. Si vous nous envoyez des photos de vous dans du lycra vert, on peut prendre en compte. À la régie, visiblement, ils ont des envies parce qu'ils répondent nous amener des frites et de la bière par rapport à sa question. C'est pas complètement con. Allez, les frites, 10 heures, hein, ok. La bière, il est quand même un peu tôt, quoi. Avec modération, bien sûr, Jean-Louis. La bière? Oui, pas les frites. Ben oui, mais je connais pas ce gars, moi. Alors. So, as a reminder, la régie. Who say the right answer, pick somebody, randomly, but somebody who was right. Allez, continuons, on a offert un bonnet, les gars. Hein. On a offert un bonnet, donc on voulait juste savoir à qui on offre. Bon, I'm sorry, because la régie is not awake, but we are. Vous auriez besoin d'un super café aussi. Mais je n'ai pas sur l'écran, en fait, les... Attends, on doit attendre. Non, ça c'est la réponse. So, yeah, we are looking for a vehicle slow and about nature. And somebody says tracteur, trottinette électrique, zeppelin. Don't you think if it was zeppelin that my friend is trying to make you discover, he would say it flies. Comment dire, je suis tiraillé là, je sais pas. What is the second symbol? Slow. Non, le slow, je peux vous le dire. Vélo. VTT. C'est n'importe quoi. Ça me rappelle la fameuse technique qu'il a fait contre le docteur Matt School. Tank. Ah oui. Non, don't you think if we were trying to make you discover tank, that we would have said it's military, so we could use the violence symbol. Bicycle, so we have a lot of bicycles,
skateboard, tondeuse. Hey, y a de l'imagination dans le chat, hein. Y a quand même pas mal de réponses différentes. Yeah. Horse carriage. Oh, that's cute. But no. Je trouve qu'ils pourraient se mettre d'accord entre eux. Quand même. C'est ça. Le chat peut être d'accord sur une réponse. Oui, sérieusement, là. Aidez-vous, quoi. Enfin, je sais pas. Faites quelque chose, quoi. Enfin, ça va pas. Bon, c'est sûr. So, if you were trying to make you discover horse, we would have begun by saying it's an animal. What we are looking for is a vehicle. Ce que nous cherchons est un véhicule. Bon, je pense qu'il y a pas mal de réponses de véhicules. Yes. So, somebody got it right. Yeah. It was. I don't know the word in English. Say it in French. C'est le tracteur. Tracteur, pardon. Le tracteur. Taylor is rich. This kind of nature truck. Yeah. Very slow. Le camion des jadis, quoi. And so the winner is, I think Nicolas forgot to end. So Quentin. Ouais. Quentin et not Quentin. Quentin de Verte. Qui... Félicitations, Quentin. Tu es super. Et nous aussi. Et qu'est-ce qu'il gagne alors, Quentin? Alors, que va gagner Quentin? J'hésite parce que tout est super. Évidemment. Je pense que le... Oh, c'est mon préféré. Oh, merde. Oui, parce que je suis nul à Time's Up, mais les gens qui jouent avec moi sont encore plus nuls parce qu'on joue à la version espagnole. Et dans ce cas-là, pas besoin de culture. Mais Quentin, si t'es sage, on peut te l'envoyer en français ou en espagnol, si tu préfères. Ah non, bah du coup... So, next word. And it's my turn to choose. Oh, I love that one. What are you thinking about? Oh, oui, c'est moi, c'est comme moi. So, est-ce qu'on peut enlever cette carte? Yeah, just for the record, it's not the first one to get the answer wins. It's random because we are streaming on different platforms. And so we have, how do you say, un décalage? A delay between all the chats. So we cannot play like the first one wins because we don't know who really wrote the right answer. So we decided to pick randomly among the right answers one winner. Enfin, ça, c'est ce qu'il dit parce que on joue, mais dans notre tête, nous, on sait tout, forcément. Donc voilà, bon, mais pour le jeu, on va faire comme il dit. Et comme j'ai trouvé le mot en anglais, je peux avoir une promotion. Je ne l'explique pas en français parce que j'ai rien compris. Ah. En fait, s'il y a plusieurs personnes qui trouvent la bonne réponse, on fait un tirage au sort au hasard. Parce que comme il y a plusieurs plateformes de streaming en même temps, donc il y a différents chats, et il y a un petit décalage. Et le décalage n'est pas le même dans toutes les plateformes de streaming. Donc pour que ce soit équitable et que tout le monde ait une chance, on tire une bonne réponse au hasard et vous gagnez l'un des lots de Jean-Louis. T'as vu, j'ai des paillettes. Ah oui, c'est formidable. Les équipes spéciaux, moi, ça m'a toujours étonné. Tu connais même ? Pas vraiment, non, merci. Mais c'est gentil de proposer. Alors, comment ça se passe chez nos Tuber Concept ? Alors, pour cette partie, je propose de montrer à Jean-Louis ce qu'il ne faut pas faire quand on veut faire des idées à la débile. Ok, donc pendant cette partie, je vais retenir mon souffle jusque quand les gens trouvent la réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Ça, par exemple, c'est une idée débile. Attention. Donc, je propose que vous soyez au taquet, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas une apnée de malade, malgré mes gros poumons. Est-ce qu'il y a trop de pecs? Il y a trop de pecs. Est-ce que Nicolas, à la régie, tu sais m'enlever la carte sur l'écran? Ce serait top. Non, tu ne sais pas. Eh bien, alors, il faut que tu expliques les comptes. So, we are looking for, as you can all see, we are looking for a man. An imaginary one, and inside is head, body, chest, arms, legs. There is metal. Je crois que je l'ai. Ouais, donc cette recherche, un homme fictif, et visiblement dans son corps
Et au niveau de sa tête, de ses bras, de ses jambes, il y a du métal. Oh là là, je crois que je l'ai. Et le super concept nous donne un sous-concept. Il dit que au niveau de ses bras, il y a beaucoup de tiges. Trois ou beaucoup quatre. Quatre tiges. Je pense que s'il y a quatre, c'est sûrement que... Je crois que c'est trois. Ouais, on a déjà pas mal de réponses. Hein. Wolverine, Iron Man, Voldemort, Dracula, Frankenstein, Robocop, Terminator... Moi, j'ai pas vu la version de Dracula où il a du métal dans son corps. No, you cannot cheat. It's not Power Rangers. Take a second guess. No! Please, no. How do you do? Ni son frère R3-D3 non plus. Ça, je sais même pas ce que c'est. Ça, c'est très malin. Mais je crois qu'on cherche un homme. Yeah, we are looking for a man. Edouard Romain d'Argent could have been right, but he only has metal on his hands, not chest, head, arms and legs. Mais je crois que la bonne réponse a peut-être déjà été donnée. I think that the right answer was given like 23 times. Donc... La bonne réponse, attention. Mimimati. Wolverine. Ah bon, ouais, non, c'était pas Mimimati parce qu'elle a pas de métal qui sort de ses mains. Bah, t'as pas regardé. Non, j'ai pas regardé. Oh, I'm sorry, I'm gonna speak in English. No, I didn't watch. Alors, comment tu fais? And that's why he is an intern and not an active one. Jean-Louis, je pense que nous avons un gagnant. Oh, c'est monsieur Simon Fournel. Alors, ou madame Simon Fournel, on ne sait jamais. Ah, on ne sait pas, on ne peut pas se le prononcer. Oh, je vois l'objet incroyable de tous les désirs. Oh là 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 là, qu'y a-t-il dans cette boîte? Mais c'était pas trop fou, Jean-Louis. Wow! Eh bien, c'est un mystère et ça la restera jusqu'à votre boîte aux lettres. Super concept, lettres. Va donc poster cette... Ah non, c'est moi le stagiaire. Oui, hop. Bon bah... Ah ah! Voilà, donc Simon, n'oublie pas de mettre ton adresse pour qu'on puisse te la poster quasi en direct. So it's a mystery box, so Simon will receive a mystery box. So, with a mystery gift, yeah, it will discover it when it will be at his home. Et donc là, je pense qu'on va avoir un nouveau mot. Yeah, just one sec. So, upload. Just one, c'est pas le même jeu. C'est bien aussi, hein, c'est très très bien, mais c'est pas le même jeu. Il faut aussi être un super concept. Les mémus sont tellement puissants que quand je claque les mains, je me fais mal. Je comprends. Wow, ouais. Trop puissant ce super concept. Un jour, Jean-Louis, tu comprendras. So, let's begin with a new one. So, somebody says playmates. Yeah, we're gonna play, mates. Yeah, let's play, mate. So, we are looking for an object. Yeah. Aha. On cherche un objet. C'est bien, c'est pas large. Une chaussette usée. Ah yeah. Hier, on a eu une chaussette usée hein, quand on a joué à Just One. Yesterday, we made a game of Just One and we had a used sock. So, it was a bit complicated to offer. Et personne ne l'a pris. Non, oui. Alors que tout le monde a des chaussettes qui traînent. C'est ça. Pour ceux qui nous ont pas vu dans le live d'hier, déjà, vous pouvez aller le revoir sur nos plateformes. So, somebody says fork. Très donc, c'est un. Je vous me dites si je me trompe, les super. Mais c'est un objet avec du vent ou qui est lié au vent et il y a un truc dessous qui est vert. Qui est lent peut-être. Qui est lent. Ah oui, c'est une tortue, mais je vois pas beaucoup. Ah ouais, c'est vrai. La couche d'ozone, on nous dit. Mais c'est un objet. Un ventilateur. Comment expliquer la couche d'ozone? Alors, ça dépend un peu du point de vue, mais. Une éolienne. Le dessous est lent, mais pas le dessus. Je sais pas. Le dessous et en dessous, voilà, c'est lent. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Attendez, on a une précision. Ah. Un mot lent.
Je pense que je sais. Un objet volant dans les airs. Yeah. Ah, et qui est pas très rapide. Yeah. Et alors, un coup de sec. J'aimerais bien faire un commentaire. Si Jean-Louis trouve avant tout le monde, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est très lent. So we have snow, girouette, neige, parachute, base and then delta plan. Ah, ça tomberait lentement peut-être. Ah, ça tomberait lentement peut-être. Très lentement. Il n'y a aucun lien avec le feu. Non, alors, alors, j'ai pas trouvé du coup. Un ILR. Hot air balloon. Oh, that's cute, but that doesn't go down. Et ça n'a pas de lien avec le feu. Je suis très triste. Je ne sais pas qui a proposé la montgolfière, mais il y a un match Tinder là. So the one who said hot air balloon is in connection with Jean-Louis. Et c'est pas non. No judgment here. Congrats. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas donner le numéro de téléphone de Jean-Louis parce que Jean-Louis est un téléphone. Tout à fait. Voilà. Ah, c'est ma mère. Ça fait partie de ses compétences. On nous dit un zeppelin. Un zeppelin. Oui. Le fameux zeppelin. C'est comme le zeppelin, mais avec une guitare en plus long. Somebody said air conditioner. But if we were trying to make you discover air conditioner, wouldn't we talk about temperature? Hélicoptère, kit, parapente. Parachute. Ah, ça sert à ralentir la chute, c'est ça? Moi, j'aimerais bien parachute. Hein. Est-ce que ça sert à ralentir la chute? And the right answer was... parachute! I absolutely don't know how to say that in English, but that's the thing that makes you fall slowly. Maybe Marinon Nico can tell us that. Parachute? How do we say parachute in English? They don't know either. Yeah, and since they are looking on Google Trad, we won't be sure that's the right answer. But Tampoke won something. So congrats, Tampoke. Congrats, Tam. Congrats, Tam. Et alors, qu'est-ce qu'on a pour Tampoke ou Tampoke? Moi, tant que je ne sais pas, je ne peux pas offrir. Moi, j'ai fait, par exemple, des analyses. J'offre des cadeaux qui vont avec les noms. Tu vois? Ah, d'accord. Donc là, j'offre un truc qui irait avec les deux. Eh bien, écoute, un truc intemporel qui marche avec les deux. Et je pense que c'est parfait parce que non seulement c'est bleu comme super concept, bleu et vert, waouh, comme super concept, mais en plus, il y a le set de la nouvelle version de Seven Wonders. Et ça, si ce n'est pas dingo dingo rigolo, je sais pas ce que c'est. Hein. Voilà, félicitations, un beau t-shirt en taille. Ah bah oui, mais moi on me dit pas le sexe, alors du coup, tant pis. C'est un t-shirt. Ah oui, mais je sais pas dire. Ah, c'est un t-shirt femme en XL, ce qui correspond à un S homme. Voilà. And we have the answer. Sauf pour Jean-Louis. C'est quoi comme taille de Jean-Louis? Ça, c'est une cuisse. And we have the answer. So, in English, parachute is said. Parachute. So, let's go for a new word. Super concept. Et Jean-Louis. What do you think about... Tu sais quoi, Jean-Louis? That one. Tu es d'humeur joyeuse. Excellent. Let's go. Je pense qu'il y aura un gros cadeau à la fin. Ah, il y aura un gros cadeau à la fin. Ouais. J'espère que tu ne vas pas te donner Jean-Louis en cadeau. Parce que pourtant, s'il y a bien un truc qui fait un gros cadeau, c'est bien Jean-Louis. Ouais, mais on n'a pas les moyens par la poste. So I'm happy today, and I think that at the end of the session, we'll have a big gift. Because it's fun, moi j'aime bien, on s'amuse bien, un beau cadeau pour votre dimanche matin. Ça, c'est bien ça. C'est ça. Merci, son vrai Roman. Son vrai Roman. Pendant qu'on fait les indices, Jean-Louis, je tenais à parler de ta couleur verte, justement. On en avait parlé à l'embauche. Oui. Et je suis pas sûr que ce soit... Enfin, tu vois, mais je peux devenir rouge aussi, regarde. Ah, voilà. Alors, ça se marie un peu mieux, il faudrait que tu t'entraînes. Voilà, merci. What's the smell? Alors, on cherche. So somebody said sponge, bouteille de gaz... Waouh, on est déjà reparti! Wouh, c'est complètement dingue! Extincteur. Alors, pour aider le chat, on cherche un objet. Il y a de l'eau et dedans, il y a du feu. Ou alors, c'est un objet liquide. Ah,
un objet. Ah, oula. Attends, ah, oula, 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 oula. Un objet. Bien essayé. Un objet. Oula, là. Un rapport avec le feu. Et l'eau. Et l'eau. Ouais. Vulcano. Et il y a. Vulcano. Ah, il y a du vent qui pousse vers l'eau. J'aime beaucoup. J'aime et beaucoup. Dedans. Alors, en rapport avec le feu, il y a de l'eau dedans. C'est en rapport avec le feu et de l'eau dedans. Possible. Et alors, le second Z, c'est en rapport avec l'air et vers le haut. Peut-être que... Laissez-moi penser. Jean-Louis pense plus qu'il se dépense. C'est ce qu'il faut retenir de cette session, je pense. Oui, mais c'est important. Alors, on nous dit, water cooker, lance plan, fire extinguisher. Eh bien, on va voir. Moi, j'aimais bien l'idée, ouais, le fire extinguisher. Ouais. Pense-y, sombré Roman. Les vrais écolos sont ceux qui dépensent le moins d'énergie inutilement. C'est fait. C'est pour ça que... Vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures. Les chaudières, marmite. Mmh. Ah, les sous-concepts avant. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout disparaît, super. Ouais, je pense que les super oui, sont moins super. Oui, because you are saying bullshit, so... We are going to change. Ah, il y a de l'air qui monte en rond, en boule. Il y a des boules d'air qui montent. Yes! Ah, des boules d'air qui montent avec un objet avec de l'eau dedans. Est-ce qu'on ne chercherait pas un truc pour enfants? Jean-Louis, tout n'est pas pour enfants. Ben, forcément. Enfin, voilà. Faut toujours tout expliquer. Je m'en peux plus. Tu vois, au bout d'un moment, ça ne va pas. Alors, je sais qu'on essaye de t'instruire en te faisant deviner des concepts, mais quand même, enfin, voilà. Alors, quelles sont les propositions? So we have a teacup, heater, alambic, cocotte minute, bouillie l'or, geyser. Ah, c'était très malin la bouilloire, très très malin la bouilloire. C'était une bonne idée. Mmh. Ah oui. Une casserole à pression. Mmh. C'est pas facile, hein. Pas sûr du coup. Là. Parce que moi, comme ça là, paf, moi j'aurais dit péter dans la piscine. Oui, des bulles d'air. Parce que quand je pète dans la piscine, il y a un objet avec de l'eau dedans, et quand je fais du vent, ça monte en bulle. C'est pas complètement faux. Go out. Donc, an object with water inside and it's large. Un objet large? Yes! Un objet. Ah, je sais! Je sais! Est-ce que ça commence par un J? Yes. Ah, but that's not in the rules. But let's say. Ouais, yes. Mais j'aide un peu. So we have lava lamp, Indian fire. Can the chat explain what is an Indian fire? Because me, super concept, I don't know what it is. Jacuzzi, poker face. Oh, je pense qu'il y a quelqu'un de super dans l'audience. So, aussi super que nous. Il y avait Polochon, j'ai dit. Seeing that there are so many answers, let's go for the right one. So, attention. The answer was jacuzzi. Of course, a large object with water inside and small balls of air going up. Et félicitations, tout. Samuel Pacek. Check? Non? Pacek? Ah! C'est bien, c'était vrai. Du coup, je vais faire le cadeau, hein, vu que le stagiaire est puni, visiblement. Eh ben, super, Samuel. Ben, je pense que jacuzzi était assez compliqué, donc tu gagnes. Ben, le jeu concept, ça nous paraît bien. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Louis? Voilà. Jean-Louis qui passe à la caméra comme jamais. Félicitations, Samuel. N'oublie pas de donner en message privé à Marine tes coordonnées. Pour qu'on te l'envoie pendant que les super concepts préparent leurs nouveaux mots, je vous rappelle qu'on a fait plein de contenu pour vous en live, en pré-enregistré, et vous pouvez revoir tout ça sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Donc allez voir ça, il y a plein de surprises pour vous. Alors les super. We are going for a black one, so a hard one. On va faire un difficile maintenant. Okay. Vous êtes tellement fort que maintenant il faut faire des difficiles. Okay. Ça veut tout dire le poker face. No, I don't know what you are talking about. I learned my poker face from Géraldine, from Rupert's production. So
I don't know if you have seen her making the poker face, but she's like a marble statue. You couldn't read anything on my face. Oui. Elle nous a tous donné des cours de poker face. Alors, Jeannette nous dit thank you. I'm out here now. No. Meet you funny guy next and this year. Hopefully next year again. We hope so. So, thanks, Jeannette. It's really kind of you. And we try to do our best. Hey, les gars! J'ai un nouveau masque. Je pense qu'avec ça, si je suis pas pris dans l'équipe. C'est pas possible, c'est pas possible. Sortez-moi d'ici, sortez-moi d'ici. C'est... Parce que maintenant, je peux faire la pointe. Pfiou, la licorne. C'est un blast. Explosion. Est-ce que ça se trompe pas le CDI? Jean-Louis, si tu cherches une promotion, tu es bien parti. Merci, super concept. Alors, I totally agree with my maid. So, Eric Jans says, cet homme est fou. Alors, c'est pas sympa pour les super concepts parce qu'ils font vraiment du bien à l'humanité. C'est pas cool. Je tiens à dire que ce n'est pas un homme, c'est Jean-Louis. C'est ça. Jean-Louis, t'as un super. C'est vrai, je me présente jamais comme je suis un homme, je suis toujours je suis Jean-Louis. Est-ce que tu penses que cet après-midi, on va présenter Jean-Marine? Ça, ce serait vraiment bien pour Jean-Marine. Cet après-midi, si vous rendez, vous êtes sage à 15h, parce qu'on refait une session à 15h de concept, on pourrait... Et Fredo dit coucou à Seb il y a longtemps. I don't know who is that Seb, but he must be really happy to see you. Eh, mais on a les indices, nous, on est là, on parle. Bah oui. On cherche un homme fictif qui a un rapport avec la nuit. Ah ben... Une chauve-souris. Ben non, c'est pas un homme, ça marche pas. Ben alors, Cyber Dracula, comme tout à l'heure. Dis, est-ce que tu sais ce que c'est une chauve-souris avec une perruque? Ouais. C'est quoi? Une souris. Une souris, ouais, forcément. Mm-hmm. Ah. Yes. Oh, regarde. So, Jean-Louis was tinkled from The Legend of Zelda. Are you? J'ai aucun souvenir no, de ça. No, Jean-Louis is a Teletubbies right now. C'est plus ça, ouais. Rini Winky. Alors, so we have Batman, Teletubbies. Now, Teletubbies, it's Jean-Louis, not the answer. Dracula. Alors, le sous-concept. Vampire. Ah oui, aussi, ça. Quand ils vont par deux. C'est ça. Alors, il faut savoir que c'est notre grand jeu. Nico tape vite parce qu'il y a beaucoup de vos réponses, donc il essaie de les mettre le plus vite possible pour qu'on puisse interagir. Et donc, de temps en temps, malheureusement, il y a une lettre qui fonce sur son clavier. Et donc, c'est notre plus grand plaisir de lui faire remarquer. So, Hulk. Est-ce que ça serait aussi drôle si ça ne l'énervait pas? Well, no, that would be really less fun. But since it bothers him, Arthur. Alors, un homme imaginaire, rapport à la nuit. Pac-Man. Et il y a plein de petits morceaux ronds, petits jaunes et dans les yeux. On pourrait appeler des paillettes. Des paillettes. Not glitters. Ah, not glitters. C'est le troisième. Okay. So, man, qu'est-ce que c'est l'été party night? A lot of little balls. Pachakovic says, fais gaffe, tu vas finir par être embauché avec des costumes comme ça. Mm. Yes, of course. Je te rassure, Pachakovic. He is about to get... Le contrat est sur la table. Il est en période d'essai. Sandman. Classvac. Qu'est-ce que c'est, Classvac? Yeah. Où est Classvac? Est-ce que la régie peut nous chercher qui est Classvac et nous envoyer une image parce que... oh, sorry, I have to speak in English. C'est quoi les sous-concepts? Question, Jacquemot. Eh bien, je vais t'expliquer, Jacquemot, parce que c'est vachement facile. Ah, tu l'expliques pas? Du coup, tu l'expliques? Ah oui, alors... Le gros concept, c'est le point d'interrogation. On voit un gros point d'interrogation, ça c'est le principal, c'est ce qu'on doit trouver quoi. Et des fois, on ne sait pas trop faire deviner. Alors, comme on ne sait pas trop faire deviner, on dit hey « Hé, mais il y a autre chose pour deviner ce qu'on doit deviner !» Même si ça fait beaucoup de fois deviner. On met un sous-concept, on dit par exemple « Tiens, on cherche un homme et il est bleu !» Alors tu me dis « Bah les schtroumpfs !» Je dis « Ah zut, flûte Alors je mets un sous-concept « vêtements » et je dis « Vêtements bleus hey, !» Eh, c'est pas l'homme qui est bleu, c'est les vêtements. Et là, d'un coup, tu dis « Ah oui, un homme en vêtements bleus !» Et je dis « Eh, oui !» Ah, and Jack Mott says « C'est juste que je les vois pas bien sur mon ordi. Buy a new computer, Jack Mott. » Ah oui. Donc tu veux qu'on cite les sous-concepts, du coup. Donc en gros, ça a l'air d'être plein de particules, enfin, plein de morceaux,
avec des ronds ou des boules, et vers le bas est jaune et l'œil. Et là, ils sont en train de faire un deuxième sous-concept qui, visiblement, est quelqu'un de jeune. Le marchand de sable, c'est trop bien. Ah, le marchand de sable, c'était pas mal. C'était bien, hein. Et, et du coup, Class Mac is Sandman. Le marchand de sable. Et est-ce que je peux demander à la régie et à Yann, peut-être, parce que si on voit mal les icônes sur ceux qui ont un petit écran, est-ce qu'il peut juste zoomer à fond sur les icônes, alors? Comme ça, il le voit. Merci, Yann, peut-être. Cœur Yann. Pas cœur Yann, alors. Mais le cœur avec les doigts quand même pour Yann, parce qu'on l'a vu. Cœur pour Yann. And as we are talking about cœur avec les doigts, thank you for all the board game arena team to make this concept game available right now. They didn't sleep for last week to make it happen. Yeah, or maybe 2 months. So thank you all guys for making this happen, because it's amazing. It's really like you play with the board game. So congrats to all the board game team. So, now that we have said the thanks, let's go for the answer. So the answer was... Faire l'amour à la plage. Non. Sandman. Sandman. Ou dit en français, marchand de sable. And the winner is... Nicky Verlaine. Ah, eh bien alors, mon Nicky... Comme on m'a empêché de donner le cadeau tout à l'heure parce que j'ai fait une blague hyper drôle, mais qui n'a pas super marché, eh ben, du coup, je t'invite à la clinique de la blagounette pour soigner ton humour. Je ne sais pas quoi dire. Ça me déchire. C'est ça, hein, c'est bien un jeu où on fait des opérations. En tout cas, ça sera un cœur ouvert. Ouais. Moi, et il y a même un coussin péteur qui fait pouet-pouet, c'est vous dire si c'est un bon jeu. J'ai une question pour toi, Jean-Louis. La couleur de la boîte, c'est parce que tu as fait un stage là-bas aussi ou... Oui, ils m'ont viré. Ah, c'est ça. Huit morts. On a une bonne question. Concept va être sur BGA. Alors, c'est ce que Super Concept vous expliquait en anglais. En fait, l'équipe de BGA a fait un énorme travail pour que Concept soit prêt sur la plateforme digitale de BGA. Donc, il est déjà disponible. Donc, vous pouvez jouer même à la fin de notre session. Revenez quand même à 15 heures pour rejouer avec nous. Mais vous pouvez jouer dès à présent sur Concept, sur BGA. Merci beaucoup et à BGA. Il y a une question règle. Les questions règles, c'est mon truc. Alors, c'est quoi la différence entre les carrés verts et les carrés bleus? Eh bien, tu me crois, tu ne me crois pas. Les carrés verts, ils sont liés au pion vert. Et les carrés bleus, au pion bleu. Ah bon? À Jean-Louis. Et du coup, ça veut dire que si le grand coin d'exclamation bleu, il est sur vêtement et qu'on met un cube bleu sur roule, ça veut dire que... C'est les vêtements qui sont de cette couleur, parce que le cube, il est lié au point d'exclamation. Les cubes verts au pion vert, les cubes bleus au pion bleu. Just to be clear, Concept on Board Game Arena is in beta testing, so maybe you could get some glitches while you play. But since we have begun this game, nothing wrong happened, so it's a good beta test. C'est nos ondes naturelles qui influent. Yeah, that's true. Voilà. Since we are perfect, the game works. Je prendrais bien l'autre, mais voilà. Donc on va le spécifier en français aussi. C'est une version bêta sur BGA, donc la version concept avec laquelle vous pouvez jouer. Donc il est possible qu'il y ait l'un ou l'autre bug, mais comme le dit Seb, nous depuis qu'on joue, comme vous le voyez, il y a aucun problème. Donc c'est vraiment. Qu'est-ce qu'elle travaille bien cette équipe de BGA. Et il y a quelque chose de formidable aussi. C'est que c'est un jeu d'habitude où on joue à beaucoup en temps de la même table, c'est pas toujours facile. Mais là, on peut jouer en ligne. Tu leur parles d'Agora? BGA a fait autre chose aussi. Ah oui, sur Board Game Arena, il y a aussi un truc hyper bien. C'est que l'extension Agora de Seven Wonders Duel est aussi disponible. Et alors, ça marche du tonnerre. Si vous connaissez Duel et que vous aimez bien, vous allez aimer Agora. Si vous aimez Board Game Arena, vous allez aimer Duel. Enfin bref, quoi qu'il arrive, faut y aller. C'est un perfect match. Ah bah ça marche. Ah oui, c'est là. And Eric says, il est en bêta je crois, mais il fonctionne parfaitement. We totally agree with you, Eric. And while... Et le nouveau. Yes, we are ready. Mais on voit pas les icônes pour répondre à Marine, à la régie, qu'elle me regarde. And even if you don't see the answer, I'm going to say it. So we are looking for a man. Ah.
Okay. Imaginary. Small. Something round and in metal. And connected to an eye and fire. Alors, un personnage fictif petit, il y a quelque chose de rond en métal, ou un anneau en métal, ou c'est un peu ça qu'il veut dire, et il y a l'œil et du feu dans l'œil. L'œil et la chaleur. Ouais, ou la chaleur, ça. Ouais. Ah, des yeux laser. Ça, ça veut dire petit. Frodon. I don't know who Frodon is. Frodon. C'est presque comme... C'est Frelon. Ah, somebody say Frodon. Alors, pour l'info, il faut savoir que la langue que Nicolas pratique en régie pour nous donner les informations est un dialecte très particulier lié à sa seule personne. On a eu un Frodon dans le chat. Ah. It was a real answer, so no, it's not Frodon. Mais pourquoi les lions on peut alors? Poker face. We have Gollum. Peut-être parce qu'il a mal dormi. Iron Man. Mais Iron Man. Who said Iron Man? I want a name. The Green Hornet? Ouais. The problem is in green, you have green. So. And green is always good! À mon avis, s'il y avait Green Hornet, il aurait dû être couleur verte. So, with Green Hornet, you have pictures about the color on your right. So, maybe so, he really he used the green color. So, Aqua Silva, Iron Man. Seriously? Why? Why? Sauron. Sauron. Oh, you're right. Let me remove something. Ah, Sauron, c'était pas mal. Hein. Il est petit. Mais la gueule. Ah, peut-être. Donc on est très très dans le Seigneur des Anneaux, hein, pour ceux qui se demandent un peu quels sont tous ces noms. Tony Stark. Is it Aqua Silva who said that too? Est-ce qu'il est vieux ou est-ce qu'il est jeune, super concept? We don't care. Oh yeah, okay. Okay, yes. Oh no, oh yeah. Il est jeune. Ah. Oh. Et alors, visiblement, c'est aussi bien un film qu'un livre. Donc, ah oui. Ça peut être aussi un indice intéressant. Alors, il y a une façon de jouer aussi qui est très intéressante. C'est que vous voyez dans l'ordre où ils ont mis les petits cubes. Et ils ont mis le petit cube sur livre avant le petit cube sur film. That's totally random, but he is right. I didn't mean that, but yeah, that's true. On a un cyclope comme réponse. Moi, je pense que si ça avait dû faire cyclope, ils auraient parlé du fait qu'il n'ait qu'un seul œil. Celle-là, elle est parfaite. Jean-Louis. Jean-Louis. Elle est pour toi. Ok. Elle est pour toi, Jean-Louis. I don't know that to be included in the right answers. Qui sait que... Parce que normalement, les gens ne savent pas que j'ai un anneau en métal. Oh, the circle and the chest firepower movie. Ok, my bad. That's true. That could have been Iron Man. But I think if I had to make you discover Iron Man, I would have said Iron in the main concept. But that's true, the circle in his chest. Est-ce que vous avez vu la bonne réponse passée, les super? Yeah, several times. Ah, oui, oui, ça va. So the answer was... Bilbo. 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 Mais alors, du coup, il est plutôt vieux. Oui. Yeah, I didn't read it right. C'était un test, Jean-Louis, pour voir si tu suivais. Et je suis toujours mes super concepts préférés. Voilà. Partout où vous allez, je vous suis à pied. Avec ou sans anneau? I totally said it. He was old. Check again. Qu'est-ce qui reste dans la caverne de merveille? Ice and Seven, you win. Oh là là, Ice and Seven. And what does Ice and Seven wins? Oh là 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 là. Ça. C'est le pack des... Alors, il est en taille M, mais en fait, il est trop beau, ce petit t-shirt. C'est celui de Concept Kids Animaux. Si vous avez des enfants et que vous connaissez des petits, c'est comme Concept pour les petits. C'est trop bien. Et comme c'est pour les petits, vous savez ce qu'ils aiment bien, les petits? Dormir avec un bonnet. Alors du coup, c'est cadeau. Les deux en un, paf, homo plus plus. Félicitations, Ayson, pour ton dos.
Les gars, c'est l'heure du dernier mot et du gros cadeau. Donc le chat, soyez bien prêts, les super conseils vont tout donner. Ok. Cool. Ce sera mon dernier mot. Excellent. Yeah, but the last word we are going to play with is... Le suspense est insoutenable. Ah, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, son vrai Roman. Oh, Clark Kent. Oui. All that one. Je préférais Bruce Wayne. That one is hard. Ah ouais. Mais non, parce que Bruce Wayne, il est pareil en classe. So, you know, we are going on a hard one. Hard one. Oh. Big gift, hard word. Yeah. Alors, so we don't see the clues on the TV. Oui, je pense que les icônes vont bientôt apparaître. What did you say? Alors, on cherche un objet. Yeah. Ah ah! Courbet. Oh oh! Oh, c'est Mauritain. Ça, c'est. Voilà. S'il te plaît, tu peux me le refaire? Merci. Voilà. Ah ah! Oh oh ah ah! Voilà, objet courbé métal! Je pense que Jean-Louis a fait un stage à Motus. Oh 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 oh! Une sub-concept, maybe? Mm-hmm. Alors, donc un objet courbé en métal. Alors, un arc, c'est souvent en bois. Ah ouais, mais pas les nouveaux. Mais pas les anciens. Mais pas les nouveaux. Je sais plus. C'est ça. C'est peut-être pas ça du coup. Du coup, non. Mais contraire, ah ouais, contraire de gauche et contraire de droite. Ouais. Au milieu. So, somebody say sex toy. It's a family game. So, sex toy. Sex toy. No judgment. Okay. Mm-hmm. It could be poker face. Un pont, on nous dit. Il y a des ponts droits aussi. Ah, ou alors c'est un truc qui fait comme ça. Ah. Ah, peut-être. Un boomerang, tu peux... En métal, oui. Ça fait mal, non, un boomerang. Ah bah, oui, il ne faut pas jouer avec des petits. Hein. C'est ça. On dit un no frisbee. D'ailleurs, est-ce que tu sais comment est-ce qu'on appelle un boomerang qui ne revient pas? Un singe? Non, un morceau de bois. Voilà, c'était l'heure de la blague à 10h59. Je pense qu'on n'aura pas mieux comme blague dans ce live. Okay. Est-ce qu'il y aurait un lien avec un truc qui roule? Ouais, moi je vais... le sous-concept a changé. Visiblement, on n'est pas parti sur la... Oh là 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 là. Donc ce n'est pas un truc en métal qui fait... They are changing the sub-concept, so we are not on the good way to find the word. So they are changing... Ah, le métronome, c'était vachement malin. Ah, le métronome, c'était bien, ça. Mais je pense qu'on a des spectateurs plus malins que les super-concepts. Il y a essuie-glace, mais est-ce que c'est pas métallique un essuie-glace? Donc c'est à mon avis, c'est pas ça. Ah, c'est pour ça que je raye toujours le pare-brise. C'est ça. Oh. Alors, ils ont remis le show de concept. Dis-nous, Jean-Louis. Alors, bon. Who said Iron Man? c'est le running gag de la matinée. Alors, il y a un objet un peu court métallique et il y a un truc assez fin qui fait gauche-droite en métal. C'est ça. Ah, ça a c'est exactement ce qui a marqué sur la carte. J'y avais pas pensé, mais c'est ça. C'est Jean-Louis, oui. Mais moi, je fais pas gauche-droite. Ah, il y a une action. Il bouge, il fait gauche-droite. Comme ça. Toum, 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 toum. Ah, une boussole. Toum, ah, toum. La boussole, peut-être qu'ils auraient mis rond. Attends, il va plus vers la gauche et la droite. Il est collé. Un bon pas cassé. J'espère qu'on met la tête des super concepts qui sont en train de crouler sous la déception. Non, 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 we are perfectly... everything is going according to plan. No worries, citizen. We are getting that. The Golden Gate? Les hélices? Ah, les hélices. Les hélices, c'est... Ouais, mais... Yeah, that's a good idea. Il y a un truc qui tourne, et là, ils n'ont pas mis le truc qui tourne. Alors, du coup, on pense à des essuie-glaces. Quand tu veux dire ça, quand tu dis un truc qui tourne, tu veux dire qu'il y a une image, un concept qui fait l'action de tourner, c'est ça que tu veux. Waouh, comme t'es fort. Tu pourrais rejoindre l'équipe. C'est dommage que tu sois déjà dans l'équipe des Mexicains masqués. Ah, tu es déjà son vrai Roman, je ne peux pas être partout. Non. Ah, on a une couleur maintenant. Ah, oh.
En rouge et noir. Et son action, c'est de faire du métal. Non, mais non. Un spray. Son action, c'est de faire du métal. Alors, dans ce cas-là, on pourrait. Non, c'est pas. Du coup, c'est Iron Man. N'écoutez pas Jean-Louis. Son action, c'est de faire du métal. C'est Hephaistos, en fait. Metal Boy. No! C'est pas où tu veux aller. Moi non plus. Ah, mais voilà, c'est pas grave. C'est de pire en pire, quoi. Vraiment, il change le concept principal. Au plus ça va, au moins on est bon, quoi. Je pense que celui qui va gagner, il aura bien mérité le. Ah, un outil! Ah, bah ça change complètement tout. Mais il est courbé, en rouge et noir, il oubliera la peur. A tool. Curved with iron and shredded and c'est la forme black. Parce que en rouge et noir il y avait marteau, extincteur, tous ces trucs là quoi. Une bombe de peinture. Mais ça sert à quoi? Un marteau. Le problème c'est la courbe, hein. Le problème c'est la courbe. Une canne à pêche. Un outil très pratique pour ouvrir une porte par exemple. Une canne à pêche. J'ai bien ma chemise mais c'est mou. Non, moi je pense que c'était pas mal. Une scie. Mince. Ah, une scie. Est-ce qu'ils n'auraient pas fait les dents pour la scie? Peut-être qu'il a une forme particulière. tu vois, peut-être qu'il est carré ou cylindrique ou sphérique. Grand outil. It's very difficult for us to find the word. It's really difficult for us too. So, what's that? C'est pas facile. Le fait que l'outil ait une forme comme ça, moi quand ils sont comme ça, je les change. Un thermomètre, une scie, un tournevis, un fer à souder. Regardez les icônes pour ceux qui sont sur le chat. Pour la scie, il y avait une icône super top au niveau des formes là, qui fait ta 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 ta. Un aimant, une pince. Ouais, j'ai l'impression que l'outil nous fait aussi du mal. Yeah, but somebody gave the right answer at last. So, yeah, of course. Don't you get it? Il y a une action qui fait se rapprocher le métal. Yes. Je l'ai. Jean-Louis, tu ne seras pas embauché, je pense. C'était beaucoup trop long. Ça n'a pas été. Non, we sucked at this. So, the answer was magnet. So, a curved tool in metal, red and black. Most of them are in the collective imaginary. It's the curved one with the red dots, the red extremities. And it makes the metal come. And the winner is... Béné qui sourit. Oh, j'aurais pu presque faire cette blague. Félicitations à toi, Béné qui sourit. Oh là là là, tu as gagné un Small World of Warcraft que nos amis de chez Désofondeur nous ont gentiment passé, donc on les remercie. On vous remercie aussi tous d'avoir suivi notre live, parce qu'il va falloir bientôt se quitter. Les petits amis, on donne rendez-vous à... c'est 15 ou c'est 16 15, hein. C'est 15. Ben, c'est 15h. À 15h, pour une autre partie de concept, on aura encore évidemment des prix à vous offrir. N'hésitez pas à aller voir nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube pour voir tout le contenu qu'on vous a préparé pour ce Spiel Digital. On vous souhaite un bon dimanche. On dit merci encore une fois à VGA, à Yann du haut de chez lui, à la technique chez nous, au Super Concept. À bientôt. Le mot de la fin en anglais pour Super Concept. Yeah, of course. So, see you at 3 p.m. for a next round of playing concept with us. OK. And thank you for playing right now. Have a nice SN Digital and see you at 3. Bye!
Thank you.